Bonjour à tous, c'est Vako. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 46 de toutes nos bagarres sur Hunt. Alors cet épisode prend place en début d'année scolaire 2023. C'est du septembre-octobre. Le nouvel event a commencé avec tout son lot de nouvelles armes, mais on a pratiqué un petit peu celle qui devient un must aujourd'hui, qui est le drilling, une arme exceptionnelle, et je vais avoir le grand plaisir d'ouvrir la vidéo avec ça. T'as de l'info? Bah je sais pas, y'a personne là. Je vois personne dans la cour, par contre j'entends que ça tape. Et là j'ai plus rien à voir. Eh, j'arrive même plus à voir là, j'arrive hein. T'es rentré? C'est bon. Bon, c'est bah... de tout le monde. Ah putain. T'as vu? Ils sont pointés au-dessus de moi, j'ai l'impression. Ouais, il est au-dessus de moi. Il est rentré. Moins un. À moins deux alors. Je me fais tirer dessus. Il a pris un coup de drilling. Ok. T'en as un là. Et un qui est zéro. Il a continué à s'écarter. Oh mais c'est pas lui, j'ai eu tout à l'heure. Oh joli. Ah tu l'as fumé le premier? Tu sais là où il y a le mid-bag là, sous le... dans l'entrée là. Ah, un coup de 12 en pleine tête, ouais, ça pardonne pas. J'en ai vu qu'un par contre. Derrière le... derrière le bidon. Pourquoi il a pas pété la première fois? Enfin, il est carte. Je sais pas. Il fouille. Regarde, c'est très bizarre que l'indice s'allume quand même. Il est rentré dedans. Celui que tu traques là, c'est celui qui m'a tué, il est au spectre. Non, casse-toi encore, casse-toi. Fais le bruit, fais le bruit. Il vient de sauter. Putain, il m'a piqué, il y en a qui m'a piqué mon putain d'auto 5. Ah
C'est bon, tu peux le bien jouer. Ah là là, quel bonheur le drilling, c'est vraiment une arme vraiment géniale qui se mangeait dans le jeu. Ça a de l'abus de moyenne, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qui perfore le mieux, mais ça reste quand même très bien, ça combo bien avec un Caldwell Pax ou un Scottfield si vous avez Pistolero. Ça a accès à des très bonnes balles spéciales, notamment de la Doudoum qui permet toujours plein de petites blagues. Enfin vraiment, le drilling, je crois que son seul défaut en fait, c'est qu'il coûte un petit peu cher. Mais vraiment, c'est une arme qui est ultra ultra agréable à jouer. Et si vraiment vous avez un petit peu d'écho, je vous conseille d'en prendre de temps en temps, et surtout si vous avez la possibilité d'en trouver sur des chasseurs morts, il est impératif que vous sortiez avec parce que c'est une excellente arme. Ce qui va suivre est très simple, c'est un petit double kill avec un joli tempo, avec un petit contrôle en fait de l'adversaire qui est fait en brûlant son camarade pour le pousser à avancer dans la pièce. Bon, jusque là c'est du classique, mais surtout en fait il y a une toute petite seconde à la fin que je voulais vous montrer, c'est ce que j'appelle mes pièges à cons. Mes pièges à cons, c'est les pièges que je mets jamais en entrée de salle, parce qu'effectivement c'est trop obvious, les gens vont regarder par où ils vont. C'est souvent des pièges que je mets dans le dos des adversaires s'ils commencent à reculer. Par exemple, il veut rentrer dans la pièce, il prend une balle, le combat se passe mal, il recule, et c'est là où il peut prendre le piège dans le dos et mourir dessus. Et croyez-moi, j'ai chopé pas mal de mecs avec des pièges un peu cons comme ça. Ah, j'aime pas bloquer les portes comme ça, c'est pire qu'on peut jamais sortir pour agresser. Putain, plus que moi, tu me l'as dit, mais... Oh putain, il est là, il est blessé. Il est juste là où tu t'es pris dans les trucs. Oh merde. Oh, c'est bon. Oh, c'était bien. Va te cacher. Non, cache-toi d'abord. Ça, c'est mon piège pour les mecs qui reculent. Et voilà aussi une séquence qui vous a permis de voir autre chose. C'est à quel point il est facile de se prendre les pièges aussi des petits camarades, parce qu'on n'a pas tous la même vision des pièges. Certains veulent les poser plutôt pour empêcher l'ennemi de rentrer. Moi, j'aime bien les poser pour soit les empêcher de reculer ou en fait les empêcher de manœuvrer. Et effectivement, j'aime bien avoir des petites open pour pouvoir faire des sorties. Et là, effectivement, j'étais tellement concentré sur le fait de les flanquer parce que je savais que c'était contre le mur de l'église que j'ai même pas regardé une seule seconde ce qu'il y avait au sol. Enfin bref, pour la dernière séquence du jour, une fois n'est pas coutume, un peu de snipe en combat zub. Voilà. On va pas faire de sentiments, tu vois. C'est bon, Trit, ils sont là. Ok. Équipe du 60. Enculé de deuxième. Oh putain, c'est une blague. C'est rare des actions comme ça. C'est beau. Ça lui fait rien. Oh, là, là. Ok, Trit. L'autre équipe, elle est au 180. Elle vient de rentrer en compound. Ok. Ils sont au milieu de la cour. Je les vois pas s'entrer à les lattes en bois là. Bon, si vous pouviez arrêter d'arriver, les gars, en fait, on a pas le temps de burn tout le monde, donc c'est un peu chiant, en fait, pour travailler. Ouais, là, en vrai, on commence à me faire chier. Tu sais, j'ai cru que c'était un automate. Ah! Oh, y'a un hypercut là, si tu veux. Oh ouais! Info? Non, rien, c'était juste une petite citrouille qui traînait. Par contre, Ubermat et 12, ça c'est du stuff comme je l'aime. Rouge Street. Ouais. J'ai pas d'infos par contre. Ouais, ok.
Je vais juste en profiter, mettre une petite mine dans le wagon. Ouais, enfin, tu te rappelles qu'on sait pas où sont les mecs, donc... Ça marche sur du bois. 270. Un contact de 170 sur, pas, je sais pas pour le deuxième. Ouais, ok. Ouais, sur le toit. Oh putain, oh salope. Ça court, ah, ça court sur de l'atoll. Attention, hein, ça devrait arriver à l'angle là. Tu vas vendre son pote? Ouais. Je suis en train de chauffer l'angle. Mais reste par terre, toi! Tu vas craquer! Autorez? Ou Non, 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 je pense Nécro. Reste à le chauffer, par contre. Ouais, l'autre il doit être sur la passerelle, je pense, ou en dessous. En dessous de la passerelle, comme ça. Bon, bah voilà.